aussi croyez, ma cour manifestation. Vous avez dit, mais pas ça, les gars, 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 les Ça, c'était discussion Gary et donc Pierre Paul Charles donc avec Némi côté et donc et Gary dit Némi face à face dans radio panique côté essentiel Némi lui-même était ou bien mettez graine derrière face à face les besoin face à face ensemble avec ou bien mettez graine derrière qu'il y a là Némi donc journaliste ça lui-même il perdu la vie lui. Yo joine monsieur assassiné lâchement donc et puis déposé dans derrière machine ni a qui on série des galons gaz bon côté li c'est comme si son monde qui sont acheté gaz et puis ça c'est là yo kembel yo prend gaz là ou bien yo bat li yo metti le bon côté donc qu'on y a là d'après ou même d'après ça on fin tande là est-ce que Gary Pierre Paul Charles lui-même li pa ta meilleur suspect si gen la police qui a fait investigation sur la mort donc journaliste est-ce que Gary Pierre Paul Charles pa ta doué meilleur suspect ou bien moun qui ta doué déjà nan men la police soit pour censé la protection par li ou bien donc pour moyen d'investigation pour pas capable influencer investigation yo mesdames et messieurs donc c'est censé la consa gros discussion qui te gagné entre deux messieurs yo avant la mort journaliste Némi donc Joseph donc journaliste et donc correspondant de Radio Méga et également donc journaliste de Radio Panique donc dans zone Bolakaili. Yon question posé jodi a, est-ce que Gary Pierre Paul Charles gen pou lwè ak la mort Némi Joseph ou capable répondre nan survey a oui ou capable di non konsa ou gen dwa di tout moun ki di men kou lève la c'est li touyèl ou bien l'état te dwe gen tan pran et jen homme sa metèl an ba code soit pour protection ni ou bien pour capable investiguer li mesdames et messieurs donc bagala li même li pas facile. Hein, li pas facile, bien des fois même par téléphone, nous rete n'a foncé les menaces,
Il y a des fois où répéter tel bagaille, ou demander pour mal arriver tel monde, et puis dans fin journée, il y a un autre monde qui t'a veillé, lui-même, il cause mal arriver monde, parce que vous-même, vous te promettez, il y a un bagaille, nous pas jamais qu'à finir habitué ensemble avec lui, nous pensons le fait que nous avons un boîte téléphone, nous avons dit ça, nous voulons, il y a un bagaille, nous pas jamais finir habitué ensemble avec lui, nous pas connaître communication sans bagaille qui contrôle, il y a un bagaille, nous pas jamais qu'à finir habitué ensemble avec lui, faire une promesse inutile, bagaille qui pas gagne pièce valeur, mesdames et messieurs, en pile dans nous, ap nan zin, nan cause ça. Nous avons sur le sénat. Et nous sommes sur le sénat de ce côté. Si vous parlez, vous nous parlez. Le couvertement, le sénat de couverture, vous avez manifesté le sénat, vous avez dit. Vous avez dit, vous avez dit, face dans radio ou bien mettez grain dans moudao m'a vinn sur vous donc c'est censé la comme ça mesdames et messieurs parole là lui-même il était censé la lancer contre Néhémie donc à qui lui-même joindre disparité lui yon censé là yon bagay qui fait aussitôt yon jeune garçon donc yon moun qui gagne en pile avenir donc un personnage ça lui-même li censé là perdu la vie li. Hein, li perdu la vie li. Donc n'a fait comprendre Némi Joseph gagne ANMH et ami yon même qui déplorer et qui condamné yon atta odieux donc yon départ forcé donc de Némi Joseph donc yon même yon déplorer assassinat ça et en plus donc yon série de rang de presse là et yon présenté condoléances yo à parents et amis et donc Némi Joseph qui lui même te fin subi yon paquet de pression en bas ben Gary. Et puis après ça, lui-même, donc qui joigne la mort, lui, il y a la mort forcée, il y a la mort lâche, donc un personnage ça lui-même. Donc licence là donc aller comme ça il y a un mort et puis quatre policiers blessés durant manifestation 11 octobre donc en 2019 là il y a un bilan partiel de PNH là
police nationale. Alors la police nationale d'Haïti à PNH qui présentait donc un bilan partiel de journée de manifestation vendredi 11 octobre 2019 là lui-même qui était déroulé donc dans la capitale là. Démission de Jovenel Moïse, caducité de Palmar, c'est recommandation de 107 organisations locales côté patronat lui-même licencié là la dernière. Il dit que Jovenel faut démissionner mais Palmar également faut Palmar caduque parce que c'est pas seulement président qui toujours problème non mais Palmar lui-même chaque quand il vient en période parler lui toujours demander vle pas vle faut aller et alimenter moun pour mettre moun dans la rue chaque jour qui passait qui ont les acteurs donc dans société civile là qui sont eux-mêmes yo prend position yo à l'instar donc à deux pères et eux-mêmes yo vle également mettre grain sel pa yo dans ça qui de droit ça qui doit faire pour mener pays à n'a plus mon voir alors pour la transition qui est censée la réussir donc il y a 107 organisations qui représentent organisations de droits humains syndicats religieuses communication patronale et donc paysanne donc juvénile et également qui proposait position concertée donc qui est nommé déclaration commune donc pour un gouvernement de sauvetage national donc au nom de nation haïtienne là même yo adressé donc à même monsieur le président république là pour reconnaître la faillite de gestion ou et de yon se de bagay que ou même donc yon appelé ou pour remettre la nation hein, démission mesdames messieurs donc parlementaires ou même également faut ou reconnaître que ou failli donc dans 50e législature li grandement contribué dans situation désastreuse ça c'est la pays li même li trouvé la dernière et yon sens la mandé donc yon constaté donc la caducité de parlement actuel là et renforcé la par une collectivité et immédiatement à ça qui capable rete donc nan mandat yo donc compatriote société civile là pour capable convier pour participer dans l'établissement de un accord politique côté objectif principal là lui-même c'est pour la mise en place donc et accompagnement de une transition pacifique et ordonnée selon ça qui écrit donc dans structure et donc groupement ça. Parallèlement, yo c'est l'organisation et donc signataire de déclaration ça même yo pas laisser au hasard définir avenir de pays a, après démission président Jovenel et caducité de parlement donc pour capable planifier donc sans cela yo même yo prévoit création de ça de capable relé donc yon passerelle donc sans cela dernier ça lui même la éviter gaspillage de ressources publiques yo et prévenir yon sans cela déchoucage donc généralisé qui pas sans cela donc gagner pour accroître misère peuple haïtien hein, et retarder davantage développement économique des pays hein, mesdames et messieurs donc messieurs dames ça yo sans cette organisation ça yo je dis Jovenel doit aller, Parlement doit aller, donc pour payer à lui-même, l'État a recommencé tout neuf, mesdames et messieurs. Donc c'est comme ça, hein, c'est comme ça, causé eux-mêmes, ils ont censé y en d'un pays qui est Haïti, hein, mesdames et messieurs. Yon parole qui démenti et qui démenti très bien donc pendant semaine yo yon go interview Reginald Boulos docteur Reginald Boulos même était bail mais est-ce qu'on fait pour sortir la rue mais on pense au café Miami donc a fait comprendre donc a financé yon série de manifestations ou bien les financer brigade qui fait partie de yon série de manifestations et bien interview ça qu'on y a là ba cause y a circulé sur tout site social yo côté donc Reginald lui-même il a fait comprendre il dit que il payait yon série de monde qui dans la rue yo même yo pas dans la rue gratis gen moun ki paye donc pour sécurité yo gen moun ki paye donc pour rejoindre matériel pour prendre la rue donc c'est ça qui sont c'est là d'actualité
donc qu'on y est là qu'a fait ça c'est la hit sur toutes les réseaux sociaux côté régional lui-même il fait comprendre que lui-même lui payé donc pour brigade qui dans la rue et ça si on monde t'a dit que donc yo payé donc c'est payé yo payé manifestant dans la rue ça tapion yo insulte pour peuple haïtien hein selon régional boulot mais est-ce qu'on finance pour sortir dans la rue mais on pense qu'a fait 100,000 moun sorti comment quoi pour ta mettre dehors là mais quand ça arrivé l'homme t'a dit ça c'est une insulte au peuple haïtien. Alors, peuple haïtien, grand quoi, pas qu'il doit sortir. Peuple équateur a sorti, m'attendez eux, dit c'est monde qui fait sortir. Peut-être gaz encore sorti. M'attendez eux, c'est la France, les gilets jaunes sortis, m'attendez eux, dit c'est l'argent qui fait sortir. Pour ça, c'est parce que c'est peuple haïtien qui sortit, nous dit c'est l'argent pour faire sortir. Ou pas de répéter ça, Alex. Honnêtement. Non, faut pas répéter ça. Parce que les gens. Parce que c'est une insulte aux millions d'haïtiens, aux milliers d'haïtiens, qui ont souffert de grand goût. Qui a souffert d'insécurité, qui dit pas capable encore, qui a demandé la santé, qui a demandé l'éducation. Soutenons le peuple haïtien de préférence. Oui. Ne les accusons pas de choses que y a pas rien pour faire. Oui. Quand c'était monde qui t'a mis, à moins que chaque monde a reçu 5 codes. Bref, en tout cas, même là. Mais là encore, c'est une insulte. Oui. J'ai vu vendredi, j'étais là sur place, vendredi, moi, ça passait. Alors, manifestation 11 octobre 2019, yo, gen DGAI, DPNH, la, Police Nationale, la, Raymond Normil, qui saluait professionnalisme de policiers, yo, donc d'après lui-même,
qui fait un travail extraordinaire à la police nationale lui-même, li, au regard de mission pour le protéger et servir. Donc, il entend pour utiliser toutes ressources qui lui-même qui disponible, donc afin pour garantir bon ordre et tranquillité publique. Donc, sans cela, à un nouveau élevé de professionnalisme. Donc, c'est ça. Donc, note de presse qui sortit dans la main DGAIA. Donc, à faire comprendre, à le constater. Donc, il y a ce déferlement de passion, donc consécutif, donc à manifestation, et on s'est dit dans le dernier jour, selon notre là, SAPRP, donc chef AI de police nationale, là lui-même, lui appelé donc à policiers pour qu'ils fassent preuve de professionnalisme, et donc pour qu'ils ne soient pas cédés à provocation et à respecter, il y a des droits humains lors de l'intervention. Donc, commandant en chef AI de PNH, là, Ramon Omil, dans strict respect des prescrits de manuel de règlement, donc à des disciplines générales de police nationale d'Haïti, et à enseigner des lois de République, là, il passait donc instruction claire et spécifique à directeur central. Mais directeur central et départemental, donc pour que vous même capable d'exécuter une série de tâches donc avec impartialité durant période de déferlement populaire là, selon ça qui révélait notre ça. Donc durant dispersation yo par agent de l'ordre, donc manifestant yo même donc vendredi 11 octobre 2019 là dans angle Moïse, donc oui Moïse et route Kinskoff, donc dans Pétionville, en vue de capable empêcher donc protestataires pour emprunter route de Kinskoff donc vers résidence du président République là Jovenel Moïse, donc à Pèlerin 5, yo c'est les reporters de donc de médias yo même dans capitale haïtienne là. Donc à Port-au-Prince, ils ont même été aussi soulignés donc que ouais, on sait des policiers qui font preuve de professionnalisme face donc à déchaînement de colère, donc à des manifestants yo qui t'appellent dans caille président de la République là, semble que t'appeler pour la craser. Mesdames et messieurs, donc à policiers yo, ils ont même été baïti gaz là, hein, yo baïti gaz là. Donc ça pour c'est l'argent comptant, mais cependant, donc à pas gagné monde qui censé la mourir. Pas de bâton qui sont la baille. Donc, ça, c'est un geste de professionnalisme. Donc, selon DGAI, donc PNH, là, mesdames et messieurs. Donc, nouvelle, yo même y a pour poursuivre. Après, si nous capable de rentrer dans le monde international, là, il y a président, c'est la Tunisie, là, hein, président Lord Boa lui-même. Donc, na Tunisie, le conservateur Saïd lui-même lui fait face donc à moderniste de Kaou. Donc, il y a 7 millions d'électeurs qui ont même appelé pour voter dimanche 13 octobre en Tunisie. Donc, un second tour lui-même de présidentiel, il a opposé Juris Kaï Saïd, donc à sans cela, Magna, donc à Média, et Nabil Karou. Mais sans cela, l'élection lui-même n'a pas fait quand même dans un contexte de crise économique et sociale qui engendre notamment la participation des Tunisiens. Donc, c'est la consa 24 000 à 26 000 votes blancs. Donc, yon déjà, ça c'est la comptabiliser. 49% donc déjà, ça c'est la même rentrer dans la question présidentielle là. En tout cas, il y a tant demain dimanche là, donc pour capable connaître qui j'en question lui-même, l'ipral passé, l'autre bois, mesdames et messieurs. Donc, en pile nouvelle sur radio. Et qui n'ont pas fait grand feu aujourd'hui, hein, n'ont pas prêté trop, mais n'a pas surtout ça qui sont cela. Donc, HEO, la France, les mêmes suspendus, la France suspendus, ils sont cela. Les suspendus, donc, il y a une série de bagailles qui sont censées la confette. Ils suspendent l'exportation vers la Turquie, donc, du matériel de guerre susceptible, donc, il y a une série d'employés en Syrie. Donc, lui-même, sans cela, l'officiel, la France décidait pour qu'elle suspende tout projet d'exploitation vers la Turquie, donc, du matériel de guerre susceptible, donc, à un CID employé dans le cadre de offensive en Turquie. Donc, il y a annoncé samedi, un CID ministère français des armées et des affaires étrangères, il y a même annoncé que décision ça, lui-même, l'histoire, c'est là. En effet, immédiat, il y a indiqué, communiqué, selon ça, indiqué par communiqué. Alors, Conseil des affaires étrangères, lui-même, de l'Union européenne, lui-même, l'histoire, c'est là, il y a réuni 14 octobre dans Luxembourg
côté yo pral sans la gen l'occasion pour que yo coordonner yon approche européenne nan sans ça mesdames et messieurs. Donc gagner l'autre côté en Équateur bah yo pas trop fin pi bon donc a des manifestants donc a qui eux-mêmes yo saccagé yon bâtiment public de Quito selon ça qui vient joindre par AFP donc ces manifestants yo même yo engoulé et yo metté sans cela du feu et saccagé samedi donc en Équateur bureau de inspecteur général des finances là dans le nord de Quito et 11e jour de protestation violente contre ces réformes négociées contre yon prêt de FMI, selon ça qui constatait, donc la sens là, dans yon photographe de AFP, mesdames et messieurs. Donc, c'est tout côté dans le monde là, qui sens là, gain problème, tout côté net, c'est problème dans le monde ça, pas de monde qui connaît, qui j'en bagaille ça lui-même, libre à sens là, passé, les tout le monde là, en bouleverse, pièce côté, bakaille, pièce côté, donc, dans fait journée, hein, l'assemblée, tout le monde va aller recourir. Il y a Prix Bayeux, des correspondants de guerre, alors à BBC, RFI, Der Spiegel, Paris Match, ils ont récompensé, donc en Normandie, alors dans l'occasion de 26e édition du Festival des journalistes, donc à Prix, donc à Bayeux, donc à Calvados, donc en Normandie, lui-même, des correspondants de guerre, lui-même, ils sont attribués dans la catégorie photo, ou bien photographe à Patrick Chauvel, donc à freelance, donc pour hebdomadaire français Paris Match et puis presse écrite donc à Fritz Sharp donc à Del Sigel et puis gagné également Radio Sami Burkina Faso RFI et télévision de trois journalistes de BBC yo même yo recevoir prix na occasion ça mesdames et messieurs. Donc, nouvelle yo, sans cela, à continuer faire route yo, mais n'a surtout, ouais, puisque c'est week-end, n'a surtout, ouais, c'est incapable, alors là, surtout, faire entendre trois belles, la musique, et puis après ça, n'a pas capable de retourner de temps à autre, pour que nous barrons, nouvelle, nous barrons, et donc, un bagage qui achète yo, mais après ça, nous pensons que l'écran, c'est important, c'est un samedi après-midi, un samedi soir alors, donc, pour que, ou même, ou amuser, on a genre, capable hein, pour amuser nos gens capables mesdames et messieurs. Donc <t'en>